Coucou tout le monde, je l'avais jamais montré, ou alors peut-être dans mes vidéos, mais je suis pas sûr, mais là je vais faire vraiment au complet 3-4 minutes de vidéo, ça sert à faire un truc, allez, 5 minutes maximum. Je vais vous faire 3 lasers que j'avais achetés du film Star Wars, hein, évidemment. Celui de Mace Windu, ça, je crois que c'était Samuel L. Jackson dans l'attaque des clones, le 2. Hein. Après il y a Anakin Skywalker, Menace Fantôme, et après il y a Dark Vador, les anciens films. Hein. D'ailleurs c'était mes préférés, les anciens. La guerre des étoiles, l'Empire contre-attaque et le retour du Jedi, c'est toujours été mes 3 préférés. Dans les 9 films, enfin il y en a même plus que ça, il y en a 9, 10, 11, il y a Han Solo, il y a celui qui a part, là, je sais plus quoi, enfin encore un à voir. J'ai toujours préféré les 3 premiers, et de loin, mais bon, après c'est du goût. Les 3 anciens de 77 à 1983, 1980, bon voilà. Je vais vous montrer déjà le premier. Si je ne me trompe pas, ça c'est le celui de couleur violet. La marque Hasbro, voilà. La marque Hasbro, c'est de 2007, hein, il y a pratiquement 15 ans, hein, en 2022. Et oui, c'est déjà de 2007. Alors, il y avait aussi le truc pour mettre sur le mur mural, mais je n'ai pas relevé parce que j'avais tellement bien vissé avec les vis et tout, c'est pas la peine, les chevilles, c'est pas la peine que j'ai pas m'amusé à tout relever pour un truc où c'est marqué Star Wars dessus. C'était juste pour poser le laser dessus. Voilà, magnifique laser. Alors, c'est Samuel L. Jackson. Bon, c'était bien aussi ceux-là, hein, c'était des très bons films. Et j'adore aussi le 7, c'est vrai que j'ai oublié de préciser que le 7 est excellent aussi, avec Harrison Ford, là où il meurt, quoi, malheureusement. D'ailleurs, c'est le film qui a le plus rapporté, hein. Je sais plus combien, 2 milliards, c'est énorme. Voilà, mais sinon, je préfère toujours les 3 anciens, les 3 premiers, quoi. Les 3 tout premiers, 3 nouveaux, qu'ils ont plus de 40 ans pour le premier, plus de 40 ans, voilà. J'ai toujours préféré ceux-là. Bon, après, voilà. Alors ça, c'est Mace Windu, hein. Enfin, le maître Jedi. Magnifique couleur violet. Alors je vous dis tout de suite Star Wars, c'est pas ma came quoi, je veux dire, j'aime bien, mais voilà, c'est pas. Je préfère toujours Alien Predator. Bon après c'est les goûts. Voilà. Couleur violet. Ouais, quand tu tapes dessus. Ouais, en plus. Eh oui, même quand tu tapes dessus, il fait du bruit. Il y a le son. Alors c'est des grosses piles, hein, c'est des piles. Sinon c'est 3 piles LR6, je crois, les autres c'est des plus petites, je sais plus pour quoi. Ça c'est couleur violet. Vous avez vu le bruit? Hasbro, la marque Hasbro. Alors maintenant. Que par la suite ils ont fait encore mieux, des lasers encore plus puissants. Bon, alors après, bon, ça consomme beaucoup. Hein. C'est des piles, hein, je vais pas l'enlever, mais c'est des piles LR6, je crois. Des piles comme ça. Après, t'en as des plus petites pour les autres, je crois. Là, c'est couleur violet celui-là. Hein. J'aime bien celui-là, couleur violet. Alors après, Anakin Skywalker, couleur bleue avant qu'il devienne Dark Vador. J'ai un nettoyé parce que l'alcool était dégueulasse, dégueulasse, pas de poussière. Écoutez bien le bruit. C'est encore un autre bruit et c'est vraiment le meilleur pour moi, c'est Dark Vador. Le bruit est juste. Là, c'est de couleur bleue. Anakin Skywalker. Pareil. Toujours rire, ça marche à pile et il marche toujours bien. Faut juste échanger les piles. Magnifique couleur bleue. Après, j'éteindrai carrément le projecteur vers nous. Toutes les lumières. Voilà, toujours la même marque Hasbro de 2007. Hein. Magnifique, rien à dire. Maintenant, celui que j'attends le plus, évidemment. Alors, ça fait depuis 2007 que je l'ai. Je ne l'ai pas acheté maintenant. Hein. Pour ceux qui viennent de débarquer sur ma chaîne, ça, attention. Hein. D'ailleurs, même David Rousseau il en parlait dans son livre Star Wars. Voilà, l'excellent livre. Là, c'est pas sur Scission, c'est la réalité. Hein. Pour ceux qui débarquent, ils vont rien comprendre. Hein. Je sais. Bon, allez sur mon à propos, vous allez comprendre dans l'ufologie. Et disait que même que George Lucas était comme un messager. Donc, il savait quand même certaines choses sur les programmes spatiaux secrets et alliances extraterrestres. Hein. Donc, la Lune, tout ça, bon, bref.
Les Star Wars, c'est une petite connexion avec ça, comme par hasard. C'est pas... Alors moi, je dis qu'il y a un film encore plus proche, avec Neil Armstrong. C'était en 2008 ou 9 quand il est sorti le film, c'est le film Transformers, La face cachée de la Lune. Et Neil Armstrong, il joue dedans. Et alors là, on parle d'extraterrestres Transformers. Pour moi, c'est encore plus proche, ces films-là. Bon, après... Voilà. C'est le rouge. Le son est particulier, mais il est magnifique, c'est mon préféré. Malheureusement, c'est Dark Vador. Écoutez bien le son, tout de suite, on le reconnaît. Alors celui-là, il y a moins de son par contre. Par contre, il y a plus de son comme ça. Parce que lui, il fait qu'un son seulement. C'est un peu dommage, parce que c'est pas le même... Les autres sont un peu au-dessus, qu'on va dire, mais bon. Par contre, le son, il est excellent. Allez, je vais faire un truc, ce sera encore mieux. Oh, le son, j'adore. C'est... Rien que le son, j'adore. Tout ça, on voit bien derrière, Dark Bardo. Là. Magnifique. On va montrer les autres à dents noires, hein, viens. Magnifique. Bon, alors celui-là, il fait qu'un bruit. Il fait juste un son. Les autres, c'est le côté bien, mais après, j'arrête. C'est pas pareil, c'est plusieurs sons à la fois. Allez. Il y en a 3 ou 4 sons différents. C'est pas pareil. Et je vais refaire voir le bleu. Et je finirai par le rouge, forcément, c'est mon préféré. Soyez fort celui-là, par contre, le bleu. Wow. Et je vais finir par le rouge. Malgré tout, c'est le rouge que je préfère le son. Par contre, je préfère la couleur bleue. Non, j'adore le rouge. C'est vrai que la couleur rouge, elle est... j'adore rouge et noir. Mais au niveau de la couleur, je préfère le bleu. Je crois qu'il y a plus. Par contre, le rouge, j'adore le son. Tout de suite, on voit Dark Vador. C'est fou. Voilà, je coupe là. C'est bon. Ah, ça va peut-être mieux mettre les trois. Bah écoutez, je vais essayer. Hein. Voilà. J'espère qu'on entend bien avec la voix parce que vu le bruit... Je l'avais acheté en 2007, donc il y a pratiquement 15 ans, vers 2022. Voilà, et je coupe là, magnifique. Voilà, j'ai dépassé 9 minutes, je pensais faire 5-6 minutes finalement. Bon. Voilà, magnifique, ça c'est mon préféré. Enfin, au niveau du son, évidemment, Dark Vador, c'est pas le plus confortable. Enfin, faut vous dire que c'était un Anakin Skywalker au départ. T'étais un enfant très gentil, hein, puis après, côté obscur. Ce qui rejoint beaucoup les domaines ufologiques, on va dire. Voilà, je coupe là, merci. Prochaine vidéo, je sais pas, dans une semaine, un truc comme ça, on verra. Peut-être un Predator, je sais pas, voilà, je sais pas. Couleur rouge. Big Red. Il y a un père celui-là. Peut-être que je préfère celui-là. Je coupe. A plus.